Vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade est entré en collision avec un véhicule transportant à son bord trois personnes, désormais gravement blessées. Mis en examen pour homicide involontaire, l'acteur a été testé positif à la cocaïne. Une addiction qui l'a régulièrement conduit à avoir des comportements qu'il relatait en 2019 dans son autobiographie. Des années d'addiction. Vendredi 10 février 2023, le véhicule de Pierre Palmade est entré en collision avec une voiture transportant à son bord trois passagers, un homme prénommé Yuxel, désormais polytraumatisé, son petit garçon âgé de 6 ans plongé dans le coma pendant quelques jours et dont le visage a été très impacté par le choc et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Un bilan très lourd dont l'acteur est sorti avec quelques fractures, après un passage en réanimation. Dans les heures qui ont suivi l'accident, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne. Le parquet de Melun a ouvert une enquête avant de mettre en examen le comédien, vendredi 17 février 2023, pour homicide et blessures involontaires aggravées par usage de stupéfiants. Le comédien a été assigné à résidence dans un service d'addictologie pour une durée de 6 mois, et placé sous contrôle judiciaire par le biais d'un bracelet électronique. Insatisfaites de cette décision, les familles des victimes mais aussi le parquet ont requis un placement en détention provisoire, qui devrait être remis à l'étude vendredi 24 février 2023. Enfin, l'humoriste est visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques. Pierre Palmade aux enfoirés depuis l'accident, les langues se délient quant aux addictions de Pierre Palmade. Celui qui a régulièrement évoqué son usage de cocaïne avait reconnu dans son autobiographie « Dites à mon père que je suis célèbre », paru aux éditions HarperCollins en 2019, qu'il ne ménageait pas ses collègues de spectacle. Ce fut longuement le cas de Michel Larocque avec laquelle il a partagé l'affiche du spectacle à succès Ilsaïm. Elle souffre parfois de me voir fatiguée, euphémisme. Ceci dit, elle s'amuse aussi lorsque je lui raconte ce que j'ai fait pendant la nuit. De même, lors de ses participations au spectacle des Enfoirés, Pierre Palmade ne se présentait pas toujours sous son meilleur jour. Jean-Jacques Goldman en avait été témoin, selon les dires du comédien, dans son autobiographie. Jean-Jacques m'a toujours pardonné, notamment lorsque j'arrivais dans un sale état pour le concert des Enfoirés. Il m'a pris sous son aile. L'interprète et auteur de chansons cultes de la variété française s'était montré particulièrement clément à son égard en lui disant « Tu es plus abîmé qu'amerdant ». Ces mots avaient beaucoup touché l'acteur qui avait estimé que le chanteur faisait partie de ses substituts paternels très importants. Des mots entendus forcément différemment, aujourd'hui,